Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Spider-Man. J'ai vu que les épisodes précédents comme d'habitude vous ont plu, donc ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois je vous remercie pour ça, j'ai une belle évolution que ce soit sur ma chaîne gaming ou ma chaîne principale ces derniers temps et ça fait extrêmement plaisir, donc merci beaucoup. Et pour ça, eh bien on va continuer l'aventure Spider-Man parce qu'en plus de ça on est bientôt à la fin du jeu il me semble, donc c'est parti. Aller faire un tour au réservoir. Eh ben on va aller faire un tour au réservoir. Donc c'est par là. À toutes les unités, on nous signale des véhicules qui ont ouvert le feu. Agent demandé à Portside. Terminé. Alors, j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur les missions principales. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Eh hey Pete, ça va? C'est ce que j'allais te demander. Moi ça va, mais toi et Tante May, vous êtes en plein milieu. On a débordé, mais les gens ont besoin d'aide. Et je préfère agir plutôt que d'attendre qu'on vienne tout régler à ma place. Tu vois le truc? Ouais, je comprends. Pense bien à te protéger, gants et masques. Et repose-toi de temps en temps. C'est encore plus vrai pour Tante Max. Tu la connais, personne pourra lui faire une pause contre son gré. Mais je ferai de mon mieux. Merci, Max. Embrasse Tante May pour moi, et sois prudent. Yes, nickel, Miles. Tu gères, tu gères. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait non plus de tour dans les paramètres pour savoir, enfin paramètres, mais pour savoir si on a des nouvelles tenues ou si on a des nouveaux trucs à améliorer ou quoi que ce soit. Mais étant donné que j'ai trouvé cette tenue là, je pense que je vais la garder, j'en suis vraiment fan. Voilà le réservoir. Mais aucune trace de scorpion. Je devrais aller voir ça de plus près. Si j'étais un mercenaire déguisé en scorpion, où est-ce que je me cacherais? Derrière toi! Je t'achèverai bien, mais c'est Octavius qui paye. Et il veut te voir souffrir. Ce que je respecte. Bon sang! Qu'est-ce qu'il vient de m'injecter? De poison? Impossible! C'est pas réel. Ça doit être le poison. Mais je peux pas prendre de risques. Il faut que je prenne de la hauteur et que j'analyse le produit qui m'a injecté. Bon, poison, pas bien. Ouais. J'aurais dû m'en douter. Ouais. Parce que là, le poison, il fait très très mal. Il nous a piqué Scorpion et ça fait très très mal. Allez, on va prendre de la hauteur, on va monter en haut du building. Ok, je devrais être tranquille une minute. Je dois analyser la neurotoxine pour pouvoir créer un antidote. Scorpion s'est amélioré. Ouais, j'aime pas trop ces moments-là, ça coupe vraiment l'histoire du jeu. Bon, certains fragments contiennent des raies soustractives. Lorsqu'une raie soustractive et une raie d'absorption se superposent, elle s'annule. D'accord, donc faut quand même trouver d'où ça vient. Non, c'est pas là. On va mettre ça là comme ça, et on va mettre ça là ici. Après, on va mettre ça là comme ça. On va mettre ça là ici ou là en fait, tac. Et il nous manque celle là une neurotoxine hallucinogène. Mon cerveau va créer des cauchemars qui vont me sembler vrais. Je dois synthétiser l'antidote et vite! Il faut d'abord un stéroïde naturel. Un extrait d'Eclipta Alba devrait faire l'affaire. La serre de l'université est pas loin.
J'espère que c'est la saison. Ouais, j'espère aussi, parce que là, t'es mal en point, hein, mon petit Peter. T'es à deux doigts de tomber dans le poison à chaque fois. J'arrive à la serre. Il devrait y avoir de l'Eclipta Alba dans la serre. Doc ? Non mais il est vraiment en train d'halluciner. Ce sont les hallucinations qui s'intensifient. Tu peux y arriver. Doc, vous avez l'air... Comme avant que l'interface neurale n'affecte mon esprit. Mes obsessions étaient déjà là. Mais l'interface m'a permis de les accepter. Je vais réparer ça. Vous réparez. Il le faut. Ah. Toujours à vouloir prendre les choses en main, même quand il n'y a plus d'espoir. Ton optimisme indéfectible m'a aidé à tenir un nombre incalculable de fois quand je n'y croyais plus. C'est bon. Alors. Je suis désolé, Doc. Je vous demande pardon. Oui, oui, tu es désolé. Et pourtant, tu m'as laissé faire. Ouais. C'est à se demander où sont tes priorités. Je veux dire, si c'était vraiment important à tes yeux, pourquoi tu m'aurais laissé m'auto-détruire ? Alors là... Je peux vous aider ! C'est l'interface neurale ! Elle agit sur votre esprit ! Tu veux parler du réseau neuronal que tu m'as aidé à créer ? La dure vérité, c'est que c'est toi qui m'as fait ça. Sans ton aide, je n'aurais fait aucune chose abominable. J'aurais dû voir ce qui vous arrivait. Voilà l'équipe d'Alba. Un peu de répit. Mais il me faut une antitoxine pour créer un antidote permanent. Un des postes de recherche d'Harry développait une atropine synthétique. Je dois vite me rendre là-bas. Des queues de scorpions géantes. Merci, cerveau. Comment tu te sens, Spider ? Un vent de panique s'empare de toi. Scorpion ? Comment t'as eu ce numéro ? Toujours les questions les moins pertinentes. Ce n'est pas comment je t'appelle, c'est est-ce que je t'appelle ? C'est peut-être les cris enfiévrés de ton cerveau agonisant. Réel ou pas ? Dès que je vais mieux, je m'occupe de toi, Mac. C'est quel bordel de gueule. Bonne chasse aux éléphants rouges. Ouais, on est en pleine hallucination. Hallucination, je sais pas quoi là. Je me suis pris le scorpion dans la tronche. Mais je parle pas beaucoup, je suis. Même pas savoir ce que Freud penserait de tout ça. Extrêmement concentré. Voilà le poste de recherche. J'ai besoin de l'atropine. Il faut que j'aille. L'atropine est juste là. L'atropine a disparu. Pas encore. Eh si, il est encore en train de délirer. C'est trop tard. Tout comme il était trop tard pour m'aider. Ce n'est pas vous, Doc. Ah, mais si, c'est moi. Le moi qui dérangeait particulièrement notre bonne société. La partie de moi que je réprimais. Mais tu m'as aidé à briser mes chiens. Je regrette. Je trouverai un moyen de vous aider. Je vous le promets. Arrête de te voiler la face. Tu n'aides jamais personne. Le poison n'est pas en toi. Tu es le poison. Tous ceux que tu touches souffrent. Waouh.
Arrêtez de fuir! Laissez-moi essayer! Je ne veux pas de ton aide! Tu es nul. Dans la vie, en amour, au travail, tu n'apportes rien de bon! Non! Arrêtez! Je vous laisserai pas tomber! Je vous en prie, parlez-moi! Je peux vous aider! Alors tu veux me traiter comme tous les autres? En me réprimant, en m'étouffant? Non. Tout comme mon génie, je vais éclater à la face du monde. Je t'ai vu, Peter. Prendre des notes, voler mes idées. Une taupe dans mon laboratoire. Et moi qui te prenais pour un ami. Je suis votre ami, Otto. S'il vous plaît, je vous ai toujours soutenu et je vous soutiendrai toujours. Tu m'as soutenu en livrant mes idées à Norman, en sabotant mes plus grandes œuvres. La voilà, la troupine. J'ai la troupine. J'ai plus qu'à synthétiser l'antidote. Ok. Il faut que je retourne au labo. Toujours avec nous. Et presque guéri. Isolé de ruiner tes plans. Oh, t'inquiète pas, Captain. J'ai encore plein de surprises en réserve. On se revoit très bientôt, tous les deux. J'y compte bien. Allez, c'est parti. Ou encore vraiment cet épisode ultra intéressant, on approche vraiment de la fin du jeu et... Faut que j'évite ces quatre scorpions. Et... Poison, pas bien. Et... Oh, ce truc va me tuer. J'ai réussi. Miraculeusement. J'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je crée l'antidote. Enfin, le vrai labo. Adieu les hallucinations. Il n'en est pas question. Tu es sur mon territoire. Tu es comme Osborne. Tu essaies de me voler mon génie. Tout ce qui arrive maintenant est de ta faute. Je savais que tu riais de moi. Une autre, dans mon dos, tu me supplieras de te sauver. Mais il sera trop tard. Ce n'est que justice. Châtiment. Tous ceux qui m'ont trahi doivent souffrir. Croyez, débarrassez-moi. Scorpion, tu es réel? Bouge pas, je vais te montrer. Ok. D'accord, ça marche. J'avais pas compris ce qu'il fallait faire, mais c'est bon, j'ai compris. Ça sert à rien d'attaquer en force. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Alors. J'ai compris ce que je dois faire, mais il faut que je trouve le bon mood. Le bon move, pardon. Je dois lui faire baisser sa garde avant de le frapper. Crée une ouverture. Voilà. Encore une hallucination. Au moins, je l'ai pas imaginé trop fort. Voilà. Alors. Ce sera pas aussi facile. Bien sûr que si. Maintenant, je sais que t'es le poison qui essaie de me distraire. Je t'attends. Ok. Bien raté. Tu seras jamais bon à rien. Je dois pas me laisser. Alors. Il est où? Le monde se porterait bien mieux sans toi. C'est
Je dois me débarrasser de lui et me concentrer sur ma tâche. Mais j'arrive pas à l'avoir. Tes proches souffrent. C'est comme les trolls sur Internet. On en mouche un autre prend sa place. À la place de ton oncle, moi aussi je me serais jeté sur cette balle. Mon intérieur a terriblement mal tourné. Ok. Que Mary Jane va beaucoup mieux quand t'es pas là. Pensez. Je préférais affronter le vrai scorpion que mon subconscient. Ouais. Jeff Davis est mort par ta faute. T'as anéanti cette famille. N'avons pas la conscience tranquille. Non mais ils sont de tous les côtés là. Voilà. J'en attaque un, il y en a un autre qui m'attaque. Ça sert à rien d'attaquer en force. Oui, mais c'est pas celui-là que je voulais attaquer. Allez. Il n'y en a plus beaucoup là. Je vais peut-être le toucher quand il s'arrête. Essayez de la voir quand il arrête de bouger. Il est difficile à atteindre quand il bouge. Voilà. Faites le toucher quand il s'arrête. J'espère que c'est le dernier. Je tiens à peine debout. Voilà la centrifugeuse. Enfin, j'ai presque plus de temps. Je crois que j'ai réussi. Où est passée ma tenue? Je crois que j'ai un peu forcé sur la décontamination. Je ferais mieux de me mettre quelque chose sur le dos. C'est mieux. Bon, on va dire que rien de tout ça n'est arrivé. D'accord. Rue empoisonnée terminée. Ah, j'ai encore l'esprit embrouillé. Il faut que je finisse d'évacuer le poison de mon organisme avant de m'attaquer aux autres vilains. C'est le moment idéal pour une petite patrouille. Explorer la ville pour améliorer votre équipement et vos capacités. Yes. Eh bien, on va faire ça. Je vais aller checker vite fait aussi en off les nouvelles tenues, si je peux améliorer des choses ou quoi que ce soit, parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Et puis voilà, je trouve que c'était un bon petit épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais plein de bisous, je dis bye bye, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao !